Bonjour, alors voici un petit tour, enfin une petite variante donc du tour de Francis Axton. Alors ça se fait qu'un jeu de cartes, 52 cartes et j'ai besoin en fait des 4 as qui vont être des as détectives. Enfin du moins on va en choisir que deux, mais Thierry tu préfères quoi, les rouges ou les noirs? Les rouges. Les rouges, pourtant je te conseille les noirs moi, parce que les as ils sont bons, les as noirs en détective, mais toi tu préfères les Je rouges. préfère les rouges. Bon, ok. Donc on va garder les rouges. Peu importe, de toute façon, ça on va perdre tout ça et je vais mélanger. Peu importe, donc toi tu préfères les rouges, pourtant moi je te conseille les noirs. Mais tu veux pas changer? Non. Bon, c'est pas grave. Tiens Thierry, je vais te demander de. Je vais couper le jeu. Enfin, non, même pas, tu vas choisir trois cartes, n'importe lesquelles. Voilà. Ah ben oui. Voilà, on va les faire comme ça, moi ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel. Hop. Tu peux les voir? Et ben oui, je peux les voir. Elles peuvent même être signées. Donc je vais t'aider. Donc le 4 de pique, la dame de cœur, le 5 de pique. Facile à retenir. Oui. C'est bon? Oui. Et regarde ce qu'on va faire. C'est trois cartes ensemble, comme ceci. Je répète, le 5, la dame et le 4. Tout ça va être sandwiché entre les deux as. Les deux as rouges. Pourtant, je t'avais dit, moi, c'était mieux les noirs. Mais bon, toi, tu préfères les rouges. C'est pas grave. Regarde. Je mets comme ça les trois cartes sandwichées entre les deux as. Donc si on suit bien, on a l'as de cœur, ta carte, une deuxième, une troisième et l'as de carreau. Ok, tout ça sandwiché, je laisse ça comme ça sur le dessus du jeu. Ok? Thierry, je vais te demander de couper où tu as envie. Partout. N'importe où. De façon à perdre en fait ce sandwich dans le milieu du jeu et tu recomplètes. C'est bon? Oui. On va égaliser comme ça. Chut, juste ici. Et ce qui est fou, c'est que si on fait juste ça, tes cartes disparaissent. Mais je t'avais dit que c'était mieux les as noirs. Ah oui, parce que ce qui est fou, c'est que si maintenant on regarde entre les deux as, Rouge, il n'y a rien. rouge, plus rien. Ah. Mais complètement plus rien. Pas de carte collée. Vraiment plus rien. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je peux te demander de recouper une dernière fois où tu as envie. Et je t'avais pas dit depuis le départ que les as noirs étaient meilleurs que les as rouges. Eh oui, pourtant. Tu te rappelles tes cartes? 5 de pique, 4 Pique, de 4 de pique pique et et dame dame de de cœur. cœur. Si on retourne juste le jeu comme ça. Et que je prends entre les deux as noirs les trois cartes, j'ai bien le 4 de pique, dame de cœur et le 5 de pique entre les deux as noirs. Et tu peux vérifier, il n'y en a pas d'autres. Magique. Merci qui? Ben Francis Axton. C'est un petit peu amélioré. Différent. Merci Jérôme. Bye bye.